Et donc salut tout le monde les amis, c'est SoulsFire. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le jeu que j'attendais patiemment, mais que j'attendais, ça s'appelle Uncharted 4. Alors on fait les petites options et voilà. Nous sommes dans le jeu, nous avons commencé et on est parti, on va tout de suite commencer, on va faire histoire. Voilà, j'ai pris ma nouvelle, comment ça s'appelle? Alors on va tout désactiver. J'ai pris une nouvelle partie en fait, j'ai pris sur un autre compte. Donc je commence parce que j'ai terminé le jeu et là je suis en train de le refaire en extrême. Et je peux vous dire que c'est bien extrême. Donc je sais pas si pour vous la qualité audio aura changé. Je pense que oui, il y a un copain qui m'a prêté son casque, son micro-casque. Donc j'espère que ce sera pas mal. On va essayer de faire plus de 15 minutes le let's play. Donc, par épisode, hein. Donc, je pense qu'on va faire 20 minutes. Je pense que ce sera pas mal. Donc j'ai mon petit chrono parce que, comme je capture avec la capture de la PS4, c'est un peu. On peut juste. Voilà quoi. Donc là, je pense qu'il y a une cinématique. Ah non. Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. Henri Avery, 1694. Alors, Avery, ça sera. Henri Avery, ça sera carrément le sujet du jeu, mais je vous dis pas pourquoi, parce que l'intrigue est très 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 belle. Donc là je pense qu'il y a une cinématique. Ouais. Merde. C'est pas bon du tout. Accroche-toi. Il nous rattrape. Oui, je sais, je sais. Mais pas mes gaz. Je te signale que je peux aussi vite que je peux, ça. On est vraiment pas ici. Ok, alors ce qui est bien, c'est que là, la cinématique fait fondu avec le jeu. Donc là, quand j'ai commencé le jeu, je me suis fait d'accord. On rentre directement dans le sujet. Donc comme on peut voir, on est dans la mer. C'était pas très compliqué à savoir. Mais voilà. C'est très très beau. Bon, il n'y a pas trop de... Je dis c'est très très beau alors qu'il n'y a pas trop de paysage là. Alors je crois que les bateaux, ouais voilà, on peut les dégager. C'est ce qu'on va faire, on va les dégager. Je sais pas si vous voyez devant, il y a une île. Avec... T'es Chiburtu. Ok, c'est cool. Lui, il est décédé. Toi aussi, tu vas décéder. Et oui, tu sais pas qui je suis moi. On m'appelle dégageur de bateau. Allez, deux. Bim. Champion de France. Tu parles à qui? Donc, voilà. Oh, ça, je pourrais pas le taper, ça. Ok, mais c'est cool. Bon, mais j'ai plus de toi. Oh. Oh, lui, il lance des fusées. Ah, mais là... Oh, putain. Moi aussi, Valentin. Bah, j'avais pas vu le bateau. C'est un peu con. Non, j'avais pas du. Je vous promets, j'avais pas du tout vu le bateau. Ouais. Là, on le voit bien, mais après, non, parce qu'en fait, j'étais trop occupé à esquiver ça, en fait. Et donc, j'ai pas vu le bateau. Bon, ben, un compteur de mort, hein, un mort. On verra combien de fois je suis mort. Bon, je sais pas si elle compte, hein. Elle va pas compter. Bah, allez, si, elle va compter. C'est fait exprès ça. C'est magnifique. Moi je resterai dans l'eau tranquillou. Donc là normalement il se prend dans les hélices. Non, normalement il a une tête coupée ou je sais pas.
fait pas du bien. Ok, la phobie de l'eau, là, je meurs. Enfin, la phobie. Hashtag, je sais pas nager. Je vais bien. Je vais bien. Merde, le moteur est à merde. Quoi? Je peux le réparer. Faut juste que tu me coupes. Donc là, on n'oublie pas les petits... Les petites mécaniques du jeu. Hein, se mettre à couvert, c'est rond. Je crois que ça, on a compris. Je crois que là, on a balles limitées, donc parce que... je sais pas. Vous verrez que les séances de combat seront énormément bien faites, plein de nouvelles choses qui changent complètement des trilogies qu'on avait eu autrefois. C'est un régal de jouer à ce jeu, c'est vraiment un plaisir de jouer. Attends, petit AK. La toté qui fait plaisir. Donc, je ne dois pas vous mentir, hein, j'ai un peu tryhardé le jeu. Là, pas comme là par exemple. Voilà. Ça y est, allez go. Oui, alors pour le bien de la chaîne, je vais pas faire tout en même temps, c'est-à-dire je vais pas tryharder, c'est-à-dire, oh putain. C'est-à-dire je vais pas, eh ben je cherche mes mots là. Je vais pas faire tout d'un coup, c'est-à-dire je vais pas faire comme je connais tout, je vais prendre un peu mon temps quoi. Je vais pas le temps que parce que là je vais un peu explorer. On va essayer de trouver les trésors. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ah 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 ah. Et là une cinématique. Nathan. Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ces livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre alors? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Sam ? Voilà, donc là comme je vous ai dit, hein, pas de fondu. Enfin, si, un fondu, mais qu'on voit pas du tout. Donc là, on est en train de jouer Nathan, qui est dans une... Comment on peut appeler ça? Ouais, je te vois. Putain, je sais plus comment on appelle ça. La merde. Il est interné, en gros, il est dans une... Pour enfants en difficulté. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus du tout. Peut-être au montage, je retrouverai le nom et je le marquerai en bras. Donc on est en train de jouer le petit Nathan. Avec Sam, on sait pas encore qui c'est, mais à mon avis, je crois, c'est pas par là. Je crois qu'on sait un peu qui c'est. Hein. Je crois que c'est son cousin Germain. Non, je pense que c'est son frère, je pense que tout le monde le sait. Spoiler, mon dieu, il a dit tout la fin du jeu. Oh, c'est pas possible. Donc moi, je suis complètement charmé par cette vue-là. C'est-à-dire là. Mais apparemment, on retrouve beaucoup de mécaniques. Je sais pas si vous avez déjà joué à The Last of Us. Mais on a beaucoup, beaucoup de mécaniques de ce genre. Notamment parce que The Last of Us est sorti avant Uncharted 4. Donc je pense que Naughty Dog, c'est les deux programmeurs de jeux qui ont fait les deux jeux. Donc je pense qu'ils ont pris un peu plus de mécaniques de The Last of Us. Parce que The Last of Us a été aimé par nombreux de gens. Alors attendez, on va mettre Start. Et on va mettre les sous-titres. Parce que...
Moi j'aime bien parce que des fois ils sont loin les joueurs. C'est parti. Bonne nuit mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Sœur Catherine. Donc là. Je pense c'est pas mal. Tranquille, man. Pour juste un dossier. Mais c'est mon dossier. Voilà, un bas au vieux oral. Je sais pas comment on dit en français, putain. C'est un peu. Ah, on peut lire. J'ai surpris Edouard en train d'agiter un des livres de Nathan pour l'embêter. Malgré sa petite taille, Nathan a immédiatement bondi sur Edouard et a réussi à le faire tomber. J'ai accouru pour séparer les deux garçons, mais ils avaient déjà eu le temps de se rouer des coups. Rouer des coups. Et on peut voir que c'est catholique, hein, parce que avec les croix de Jésus. Je vais peut-être faire repérer. Pas vos sœurs Catherine. Un internat, voilà. Non, mais je l'ai déjà dit en fait. Le mec il crie alors qu'il a déjà dit le mot. Ah, c'est bon, j'ai trouvé un internat. Oui, tu as réussi. Oh putain de merde. Elle a fait me voir. Il n'y a personne. Il faut qu'elle se tourne. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est un peu sourde? Parce que le plancher, à mon avis, il doit pas être très jeune, donc il doit bien faire le bruit. Sœur Catherine. Non, sœur Catherine, j'ai de nouveau oublié mes clés. Vous m'ouvrez le portail. J'arrive, mon père. J'arrive, mon papa. Ah! Ah, bah il est là. Est-ce qu'on peut dire quand même la qualité du jeu est déjà que le petit il doit avoir quoi 10 ans, 10 ans, 11 ans, il fait ça. Donc moi déjà j'ai bien du mal à tenir sur une corde. Pourtant je suis sportif, hein, je vais pas vous mentir, je pousse un peu à la salle. Très bien difficile. On est plus très loin. Donc ça c'est un. Ça c'est pile poil Uncharted, c'est-à-dire qu'on va monter et ça va se casser. Voilà, ça c'est obligé qu'une fois dans Uncharted il se passe ça. Parce que je sais pas, je pense que si Tomb Raider et Lara Croft pardon et Nathan Drake auraient un enfant, ça serait le moins chanceux et en même temps le plus chanceux du monde. Et le plus intelligent. Tu dois apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé? C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Attends, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici, en fait? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Ouais. Voilà, désolé les gars, petite ellipse. Ou les filles, hein, je sais pas qui regarde. Parce que mon chien gueulait, comme c'est pas possible. Donc voilà, je lui ai coupé la tête et coupé les pattes accessoirement. Donc voilà. Une sorte de retraite biblique. Lol. Ah ouais, je m'en souviens. Et comment va le père de fille? C'est le seul être humain dans le coin. Tu devrais passer le voir. Non, je veux pas me sentir coupable. Allez. Alors des fois, je peux vous dire que c'est bien Uncharted. Voilà, mais des fois les mécaniques un peu bug. Donc c'est le seul bémol en fait, parce que des fois tu veux faire des choses mais ça marche pas, donc des fois c'est un peu chiant quoi. Je sais pas si vous entendrez encore mes bruits de touche, j'espère pas.
Tu l'as pas bloqué? Si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs? Bien, suis-moi. On a une nouvelle mécanique du jeu. C'est-à-dire ça, on va l'utiliser pas mal de fois et c'est très... Pour le coup, c'est très bien fait. Je veux dire, c'est la mécanique est bien faite. Je veux dire, c'est quelque chose de pas inutile, quoi. Ils savent bien l'exploiter, donc ça, c'est cool. En plus, des fois, vous allez voir, ça va être magnifique. À ton tour. Ah oui, c'est la petite truc pour descendre et monter. Faut appuyer sur L1. Ah, vous, par contre, vous... Je sais pas pourquoi je confonds. Depuis que j'ai Uncharted, je confonds L1 et R1. Je sais pas pourquoi. Donc, des fois, vous... Je vais lancer des grenades comme ça pour rien. Et je vais, au lieu de prendre les... au lieu de prendre la truc. Donc là, la base, hein, Uncharted, le parcours. Avec les PNJ qui sont plus intelligents. Ah d'accord. Donc ça, je pense quand même qu'il faut une putain de détente. Hein. Allez, Nathan. Non, mais je vais partir. Allez, salut. Et Géranimo. Je te tiens. Salut, mon frère, il m'a sauvé la vie. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Les doigts dans le nez. J'ai fait un peu caca dans mon pantalon. Et tout va bien. Donc moi au début en fait je crois que c'était là qu'il fallait sauter. Genre oh. Mais c'était pas compliqué. Ah, c'est là qu'il faut sauter. Est-ce que c'est péché? Je crois bien que c'est péché. Tu te sens vachement bien. Bah oui. Tu me connais pas moi. Bah, c'est ça que je vous parlais. On va faire beaucoup de fois Tarzan. Hey. Voilà. Mais ce sera plus spectaculaire dans d'autres circonstances, mais là c'est sûr que pas trop. D'accord. Donc moi j'ai réussi sans m'accrocher. T'es nul. Merde. Oh putain, j'ai eu peur. Putain, j'y vais trop vite en fait, ça m'énerve. Donc si les parcours aussi, c'est vers du début de Crash Bandicoot, mais plus vers Jack and Dexter, parce que c'est notamment aussi Naughty Dog qui a créé Jack and Dexter et Crash Bandicoot, parce que c'est mes programmeurs préférés, donc Bethesda et Insomniac. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais partir. Je vais retourner à l'internat, hein, parce que c'était bien. J'aimais bien Catherine. Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, oui. J'aime le toboggan. Hop là, voilà. Ça fait pas de mal. Donc là, je crois que c'est nous qui allons lancer la perche. Mais quand même, ils mettent beaucoup de cordes, hein, qui pendent comme par hasard. Tu sais quoi? Ouais. Et si tu passais devant? C'est vrai. Merci. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le chemin. C'est parti. Est-ce qu'on voit que j'ai tryhardé le jeu avant? Oui. Ok. Eh bien les copains,
On va se laisser ici, parce qu'après il y a une cinématique, mais je vous la garde pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce petit let's play qu'on va finir. Je vous promets on va finir, ça ne sera pas comme, comme toutes mes séries que j'ai pas fini. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes gentils. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.